Calorie, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, donc c'est un partenariat avec la fabuleuse boutique de Perle & Co. Donc voilà, donc j'adore cette boutique et Marie m'a gentiment accordé le droit de refaire un partenariat parce que j'en avais fait un avec eux il n'y a pas très longtemps. Et donc Marie, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te dis encore merci de me faire confiance comme tu l'as fait ces deux fois. Voilà, c'est vraiment une boutique que je vous conseille énormément. Allez y faire un tour, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et tout de suite, on va passer au déballage. Je vais vous montrer tout de suite le contenu du partenariat. Donc j'ai pu choisir mes produits. Je leur ai proposé une idée de tuto, ils m'ont dit ok, pas de souci, choisissez les produits que vous voulez. Et donc j'ai pu choisir, donc c'est pas mal. Donc pour réaliser les tutos, j'ai pris des anneaux comme ceci, un lot d'anneaux. Donc c'est des 9 x 1,2 mm et donc ils sont vendus par lot de 25 sur le site au prix de 1,64. Ensuite j'ai commandé de la chaîne comme ceci, donc de la chaîne assez fine en argent. Donc elle fait 2,3 mm et elle est vendue par par 2 mètres et elle coûte 3,38 €. Ensuite, j'ai pris ce set de 5 emporte-pièces en forme de rond qui est vendu sur le site à 1,80 €. Ensuite, j'ai pris des pains de Prémo, uniquement que de la Prémo. En voyant les couleurs, vous allez deviner tout de suite de quel tuto il va s'agir, de quelle sorte de tuto il va s'agir. Donc, il y en a pas mal. Donc, tout d'abord, j'ai pris un pain de noir. Donc c'est le numéro 5042 et c'est alors noir hein, ou négro ou black. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 5129 argent. Donc en accent. Ensuite, toujours en accent, donc c'est le 5132. Donc c'est paillettes or blanc. Donc, pareil, c'est un argenté, mais vous voyez la différence entre les deux. Il y en a avec des paillettes trop beaux. Ensuite, c'est le 5055. Donc, c'est le or 18 carats. Voilà. Ensuite, c'est le 5517. Donc, c'est le or antique. Vérité. Ensuite, c'est le 5067 cuivre. Et pour finir, c'est le 5519 bronze. Donc voilà tous les pains de Prémo que j'ai pris. Donc tous les pains sont à 2 € l'unité. Voilà, que ce soit les normales ou les accents. Voilà, ils sont vendus au même prix. Et pour finir, donc j'ai pris une plaque de texture. Pas n'importe laquelle, hein, comme vous avez pu voir les couleurs. J'ai pris cette plaque de texture donc de la marque Lisa Pabelka. Donc une très très bonne marque, parce que j'en ai déjà une comme ça, de cette marque-là. Donc vraiment très souple hein, comme vous pouvez voir. Et c'est plein d'engrenages, de flèches, voilà. Donc, vous avez deviné, hein, je vais vous faire des tutos sur le steampunk, ce n'est plus un secret. Donc voilà, donc cette plaque est très bien parce que ça fait, on voit vraiment bien les détails. Je ne sais pas s'il va faire la macro. Voilà, on voit vraiment bien les détails. Donc là elle est un peu sale, c'est parce que tout simplement je l'ai testée tout à l'heure. Pour voir si elle marquait vraiment bien les détails et c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour mon partenariat chez Perle & Co. Voilà, hop, il y a ça aussi. Je vais les mettre devant. Donc voilà. Donc je les remercie encore énormément pour ce partenariat. J'avais vraiment envie de faire une création steampunk. Parce que j'ai vu que sur leur site, ils proposaient des tutos et il n'y avait pas ce style. Je sais qu'en ce moment, c'est très en vogue le steampunk. Moi j'ai découvert ça il y a 6-7 mois et voilà, j'en suis réellement dingue. Donc voilà, j'ai voulu vous proposer des tutos encore, des tutos sur ce style parce que j'en ai déjà fait 2 ou 3 sur ma chaîne. Donc je vous mettrai bien entendu la liste des produits en barre d'infos ainsi que les liens. Vous cliquez dessus et vous avez directement le lien sur la boutique si vous voulez les commander, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous recommande vraiment cette boutique Perle & Co. C'est vraiment une boutique que je vous recommande. Pas forcément parce que je suis partenaire avec eux. Hein. J'ai déjà commandé des choses chez eux sans forcément être partenaire. D'ailleurs, j'ai fait une commande après ce partenariat. J'ai moi-même fait une commande
que je vais recevoir d'ici demain ou après-demain, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt mes calories.